Là, je... Vas-y, saute! Allez. Ah! Mais Gary, tu sais pas Oh, ce que c'est, Gary! toi! Alors avant que la vidéo commence, je vais tout simplement remercier les nouveaux sponsors de ma chaîne YouTube. Du coup, je vais les placer dans la maison des abonnés. Pour les nouveaux sponsors, on va voir s'ils sont beaucoup. Et bah, il y en a un seul. Ok, d'accord. Grosse dédicace à VK Glaçon alias Charlotte qui est devenu grand troller. Du coup, grosse dédicace à toi, Charlotte. Du coup, voilà, je vais te placer dans le mur des grands trollers, hein, tout simplement, ma petite Charlotte. Nickel. Alors, le mur, voilà, les grands trollers, vous êtes quand même pas mal. Je vais te placer juste ici et voilà. Du coup, ma petite Charlotte, je vais te placer juste ici. Voilà, nice! Et voilà, t'as ton petit trophée en bronze. Du coup, n'hésite pas à prendre un sponsor plus au-dessus pour aller dans les niveaux juste au-dessus. En tout cas, les amis, si vous aussi vous voulez dédicacer durant la prochaine vidéo pour pouvoir apparaître dans la maison des abonnés, n'hésitez vraiment pas à devenir sponsor de ma chaîne YouTube en appuyant sur le premier lien qui se trouve dans la description. Du coup, quand tu deviens sponsor, tu auras plein d'avantages. Tu pourras jouer avec moi. Je m'abonne à ta chaîne, tu seras dédicacé. On pourra même faire des vidéos ensemble. Enfin bon, pour qu'on fasse des vidéos ensemble, il faut devenir soit dieu troller ou alors méga dieu troller, les amis. Tous ceux qui sont méga dieu troller, les potes, ils peuvent jouer avec moi, apparaître dans mes vidéos. On fera plein de trucs ensemble. Du coup, c'est super génial. Appuie sur le premier lien qui se trouve dans la description pour devenir sponsor et bonne vidéo. Et wesh les potes, c'est Souka. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors avant que la vidéo commence, les petits potes, lâche le plus gros like de ta vie comme d'habitude poto. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour rejoindre la Troll Family. Et c'est parti les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je pense que la vidéo sera vraiment géniale. Et si toi, tu me découvres grâce à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube pour qu'on puisse atteindre les 450 000 abonnés les potes. On y est presque, hein, voilà. Donc toi, abonne-toi en appuyant sur le gros bouton rouge qui se trouve juste en bas de la vidéo et active aussi la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et c'est parti les amis, alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est très simple, c'est que nous allons passer une très belle journée avec mes enfants. Donc quand je parle de mes enfants, je parle de Billy, Eva et de mon petit frère Gary. Et il y a aussi mon meilleur ami Joe qui est aussi dans notre maison les potes. Du coup voilà, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode d'hier, voilà, Joe est venu dans ma maison et a rempli la piscine de lait de vache. Bon, comme ça c'est un petit peu dur à comprendre, mais allez voir ma dernière vidéo qui est sortie, vous allez vite comprendre ce qui s'est passé ici. Et puis voilà, du coup pour commencer, ce que je vais faire c'est que je vais chercher Joe et mes enfants. Je ne sais pas ils sont où par contre. Et les amis, regardez, écoutez bien ce que je vous dis. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos avec mes enfants et Joe et qu'on fasse des vidéos vraiment marrantes, etc., je vous donne un objectif aujourd'hui de 14 000 pouces bleus les potes. Oui, pourquoi pas 15 000, ne me demandez pas pourquoi, c'est 14 000 aujourd'hui les potes. Voilà, du coup toi mets un gros pouce bleu de rien du tout qui fait plaisir. Voilà, ça te prend que 2 secondes. S'il te plaît, mets-moi 14 000 pouces bleus pardon. Et c'est parti. Du coup alors, ils sont où mes enfants? Je ne sais pas, ils sont où? On va les chercher. Dans le salon. Mais ils sont pas là. Oui. What? Oui, on entend Joe. Oui. On entend Joe les potes. Attendez, il me semble que c'est à l'extérieur. Attendez, on va fermer la porte. Wow. Qu'est-ce qui se passe ici là? Oulala. Qu'est-ce que vous faites? Salut on Joe. S'amuse, frère. Bah oui, on s'amuse. Mais vous amusez à faire quoi là? Parce que c'est quoi ces rails là? À faire du Minecraft. Ah oui. Quoi, du minecart? D'accord, mais attendez, mais c'est quoi ce délire? Mais depuis quand? Mais c'est qui a ramené les minecarts ici, les enfants? C'est moi, je crois. Mais Joe, c'est toi? Bah oui, c'est pour les enfants, moi. Ah, c'est pour les enfants. Joe, t'es trop le meilleur. Ah, mais c'est sympa ça, Joe. Tu veux jouer avec eux, c'est ça? Oui. Ah, ok. Regardez les potes. Joe est super sympa. Il a ramené des belles petites rails avec des chariots pour jouer avec mes enfants. Du coup, Gary, ça va? Tu t'amuses bien? Ah, oui, c'est trop chouette. Ok, et toi, Eva? Bah, toi, t'es déjà dedans. Hein. Ouais, youpi. Regardez les potes. Ils ont l'air de bien s'amuser. Bah, vous savez quoi? Tant que mes enfants sont joyeux, bah, moi, je suis content, tout simplement. Bah, vas-y, vous savez quoi?
moi je vais me chercher un petit truc dans le frigo, je reviens tout de suite, d'accord? Ok. Ok. D'accord. Ok, super. Bon les potes, franchement je suis fier de Joe parce qu'il fait vraiment des efforts. Parce que les potes, dans la vidéo d'hier, il avait fait vraiment trop de bêtises, c'était un vrai gamin. Mais là je pense que ça lui a retourné la tête et je pense que c'est bon, il ne fait plus de bêtises, il est devenu mature. Bon les potes, on va voir à quoi il s'amuse. Pas bouger. Wouah, mais qu'est-ce que vous faites là? Oh mais Joe, que tu fais quoi là avec ton fusil là? Mais qu'est-ce que vous faites? What? Mais doucement. Mais les enfants, qu'est-ce que vous faites? Sortez des wagons là. On sait pas, il nous a attachés. Vous avez dit quoi? Il nous a bandé les yeux aussi. Putain. Mais les enfants, qu'est-ce que vous faites? Sortez d'ici. On sait pas, il nous a attachés. Quoi? Il vous a attaché? Oui, papa. Oui, mais... Mais Joe, mais... Il a bandé les yeux. Quoi? Il vous a bandé les yeux? On voit rien. Ouais, ok les potes, regardez, hey, mes enfants ne voient plus rien. Et Joe est en train de leur tirer dessus avec un fusil de chasse, mais Joe... Oh, vas-y, Regarde la vache là, piou. Mais non, les bute pas, mais arrête de buter les animaux comme ça, Joe, t'es sérieux ou quoi? Regarde, piou. Oh là, les potes, Joe, j'en fais plus de lui, mais j'en fais plus. Eh, vas-y, tu sais quoi, Joe? Eh, donne-moi ce fusil, tu me donnes ce fusil, allez. Ah, mais tes enfants, ils sont bloqués, tu sais comment elle est dit, on les libère, regarde. Piou. Je vois rien. Mais doucement, Joe, t'allais les tuer là. Je vois rien. Enlève-les ce que tu leur as mis dans les yeux là, parce qu'ils ne voient plus rien. Ah d'accord. Voilà. Toi, c'est fait. C'est bon, mais attendez les enfants. Qu'est-ce qui vous a pris de jouer avec Joe? Vous savez très bien qu'il fait des bêtises comme ça. Mais j'aime les bêtises moi. Oh là là. Moi aussi, c'est trop drôle. En plus, Joe, juste avant, je disais à mes abonnés que t'avais changé et que t'étais devenu plus mature. Mais là, faut dire que non, là. Oh là là, mais en plus, j'ai tu pleures. J'ai pas fait exprès. Oh là là, et en plus, il pleure, il est sérieux. Eh, vas-y, Joe, faut que t'arrêtes, hein. Vraiment, faut que t'arrêtes de faire ton gamin. Bref, les enfants? Oui. Je vois que vous jouez entre vous, mais Billy, il est où? Je sais pas, il est parti faire un tour dehors, il m'a dit tout à l'heure. Ah, il est parti faire un tour dehors? Oui, mais à mon avis, il va revenir dans pas longtemps. D'accord, ok, ça marche. Clairement, il m'a dit qu'il est allé là-bas. Quoi? Oui. Moi, il m'a dit qu'il était dans sa chambre. Quoi? Bon, j'ai comme l'impression que Billy vous a menti à chacun de vous, en fait, hein. Ouais. Ah bah, c'est un petit menteur, hein. Ouais, c'est un petit menteur, ce petit Billy. Bon, vous savez quoi? On va s'éparpiller un petit peu partout pour le retrouver, d'accord? Ok. Oui. Toi, Gary, toi, tu vas regarder devant la maison. Toi, Eva, tu cherches dans le jardin pour voir si c'est pas trempé dans le lac. Et toi, Joe, tu regardes vers la plage. Parce qu'il y a peut-être qu'il se promène vers la plage. Ok? Ok, super les potes, c'est super. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher dans la maison, les amis. Du coup, j'espère que Billy se trouve pas si loin que ça. Parce que bon, on a quand même besoin de lui, les potes. Je ne sais pas, il est où. On va regarder un petit peu. Attendez, vous savez quoi? Je vais regarder déjà l'étage en dessous. Genre salle à manger, salon, il y a personne. Dans la cuisine, peut-être. Dans la cuisine, non. Il fait pas de gâteau aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, il fait pas de gâteau, d'accord. Ok, vous savez quoi, les potes? En bas, il y a personne. On va aller regarder en haut dans sa chambre, peut-être. Qui il est là? Oula, pourquoi il y a des... Pourquoi? What? Ah, coucou papa. Mais salut Billy, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais les chantiers, moi, papa. Tu fais quoi? J'ai fait les chantiers, papa. Tu fais le chantier, mais quel chantier, Billy? J'ai fait les chantiers pour la... Pour ma chambre, papa. Ah, t'es en train de faire le chantier de ta chambre. Mais Billy, pourquoi tu parles comme un portugais? Parce que je vais faire comme un waris. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, bizarrement, je pense que là, il y a les travaux dans la chambre, Eva. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Je peux même pas passer dans ma chambre. Mais oui, Billy, tu gênes tout le monde, là. Ah non, il y a une porte là-bas. Oui, mais... Mets-toi. Ouais, mais quand même, mais attends, tu répères quoi, Billy, en fait? Qu'est-ce que tu fais? Par les tuyaux de canalisation, papa. Ouais, je peux venir voir un petit peu? Du coup, il n'y a pas de tuyaux ici. Il y a un trou? C'est ça le tuyau? Non, c'est pas là. Il n'y a rien ici. Ok, les potes, regardez, il nous cache quelque chose, ce petit Billy. Bon, tu sais quoi, Eva? Vas-y, viens, on part. Vas-y, Billy. Ouais. Je te laisse faire ton chantier, d'accord? J'arrête de t'embêter, ok? D'accord, papa. Okay. Allez, à plus. Vas-y, parle. À plus, ok, c'est bon.
What, t'es pas te regarder? Oui, oui, Eva. Faut aller chercher Gary aussi. Et ouais. Joe, bon, Joe, il s'est perdu, je crois. Ah oui, Joe, il s'est perdu, tu penses? Ouais, il est allé trop loin. D'accord, et Gary, il est où? Bah, il avait dit, il est allé, je sais pas où, là. Billy. Ah, ben. Billy. Ah, il cherche encore Billy. Attends, faut le prévenir qu'on l'a retrouvé, Billy, quand même. Ouais. Attends. Ah, Gary. Billy, ah. Billy, grand frère. Oui, c'est bon, Gary, on est là. C'est bon, on l'a retrouvé, Billy. Ah, génial. Par contre, j'ai comme l'impression que les enfants, Billy nous cache quelque chose de vraiment bizarre. Ouais, c'est vraiment bizarre. Du coup, ce que j'ai envie de faire, je sais pas si vous êtes partant, est-ce que vous êtes chaud d'espionner Billy dans sa chambre? Oui. Oui, ça serait génial. Ouais, parce que je sais pas ce qu'il fait, il fait des travaux, il fait le portugais, il fait un chantier. Bon, je sais pas ce qu'il construit, mais ça vous dit qu'on aille découvrir ce mystère? Ah, j'ai trop hâte, oui. Ok, super. Bah vas-y, du coup, comment on peut faire pour l'espionner les enfants? Venez, on va dans sa chambre, venez. On va voir ce que fait Billy, les potes. Ouais. On peut boire des potions d'invisibilité. D'invisibilité. Ouais, des potions d'invisibilité, ouais, ça pourrait être cool, carrément, ouais. Bah attendez, il me semble que dans mon setup, je dois en avoir. Alors attends, dans le tiroir, je vais en prendre. Nickel. C'est bon, j'ai 3 potions d'invisibilité, c'est nickel. Du coup, voilà. Une pour toi, Gary. Une pour toi, Eva. Et une pour moi. Allez, on la boit maintenant. Oui, on la boit tout de suite. Nickel, c'est bon. On est en invisible, les potes, c'est super. On va enfin voir ce que cache Gary, ce que cache Billy, pardon. Vous êtes prêts? Ah oui. Je suis trop prête. Ok, nickel. On va monter en haut, les potes. C'est parti, alors. Où est-il, ce petit Billy? Oula. Ouais. Il y a beaucoup de rénovations, hein. Ouais, il y a beaucoup de rénovations, c'est un petit peu bizarre. Waouh. Waouh, ok, oh oui, d'accord, il a mis plein de bouches d'égout, mais qu'est-ce que... Attendez, on se débarrasse de tout ça, les enfants, hop, on enlève, là, on enlève. Là, pas manquer de soif, hein. Ouais, là, c'est sûr que de l'eau, on en aura, hein. Hop, là, nice. C'est bon, on s'est tous débarrassés. Par contre, il y a le trou qui est juste en bas. Bon, on saute ou pas, les enfants? Ah oui. Allez. 3, 2, 1. Go, wouh. Hop là, nickel. Aïe. Oh, cachez-vous. Regardez-le. Alors. Grand frère, c'est bizarre, ça. Ouais, c'est bizarre. Attends, chut, on voit qu'est-ce qu'il dit. Bon, comme avec les robots. Je vais tout enlever, d'accord. Donc voilà, tac. What? Il enlève tous ses équipements, on dirait. Ok, y a personne. Où il va? What? Je suis... Il est passé où, là? Ok, il est passé dans un endroit un petit peu bizarre. Bon, les enfants, on ne sait pas ce qu'il y a là-bas, d'accord? On ne sait pas où est parti Billy. On ne sait pas s'il est parti dans un endroit un petit peu bizarre ou quoi. Du coup, ce qu'on va faire... Ouais, ça fait vraiment peur. Du coup, attendez, je vais m'équiper d'une petite arme. D'accord? Au cas où, hein, bien évidemment. Bon, les potes, on s'est remis en mode normal parce que, bon, en invisible, on s'est dit que c'était pas trop top, hein. Voilà, c'était pas assez marrant qu'en étant normal, quoi. Du coup, faut trouver le chemin où est parti Billy. Il est passé par où? J'ai l'impression qu'il est passé par à gauche, là. Ouais, il est passé par là, du coup, attendez. Il est passé par le mur, ici, je pense. Fouillez, les enfants, fouillez. On essaie de trouver l'endroit, le passage secret. Non, c'est pas par là, peut-être par là. Aïe, oui, c'est chaud, aïe. Aïe, doucement, faut pas tomber dans le feu, hein, vraiment. Papa, oh. Il y a... What? Il y a un trou. Wow. Ouais, il y a l'air d'avoir un trou, ouais. Il faut rentrer pour voir ce que c'est. Ouais, vas-y, venons, on rentre. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il y a. What? Ouais, y a une baignoire. Bonjour monsieur, aïe. Oh, il me tire dessus, aïe. Pour les potes, j'ai même pas eu le temps de parler qu'il y avait des soldats qui m'ont tiré dessus. Faut faire gaffe les enfants, oh là, mettez-vous derrière moi. Fais attention Eva. Oh, what? Ah, j'ai peur. Y a des gardes armés qui gardent l'endroit, hein. Il faut avoir un bouclier. Ouais, faut avoir un bouclier, ouais. Bah attends, justement, j'ai un revolver sur moi, je vais voir si je peux les faire tomber. Hein? Hop là. Wow. C'est bon, oui, j'en ai fait tomber un. Ouh, j'ai presque plus de vie. attendez, poussez-vous. Bah non. C'est bon, le mec s'est caché là-bas, regardez, il s'est mis à couvert. Bon, les enfants, il y a l'air d'avoir un jump. On va essayer de le faire, go. Hop là. Oui, bien joué. C'est qui l'a buté? C'est moi. Ah, c'est super, Eva. Par contre, t'as eu où l'arme? Ah, j'ai tombé, grand frère. Dans ton placard. Non. Ouais, vas-y, fais attention, Gary, vas-y, remonte. J'ai tombé. Je tiens plus. Vas-y, tiens-moi la main. Ok. Ah. Nickel, super, ok. Bon, faut faire attention, les enfants. Faut essayer de pas tomber. Allez, saute, grand frère. Allez, hop là. Vas-y, rejoins-moi. Waouh. Ok, nickel. Allez, venez. C'est bon, nice, hop là, nickel, c'est bon.
Ouh, on a réussi les jump les potes. Bon, j'ai un petit peu galéré. Aide-moi. Eva. Oh non, Eva, Eva. Eva, tiens-moi la main. Oh. Nickel, ça va aller? Oui, il y a un dernier jump ici. Ça a craché. Eh, mais tout le monde va tomber ou je rêve là? Oh là là, bon, ok. Mais non, non, ok, nickel, c'est bon, je suis pas tombé. Super. Je suis accroché. Ok, c'est bon, accrochez-vous bien. Et là, il y a un dernier jump. Nickel, c'est bon, j'ai réussi à la voir. J'ai réussi à la voir. Super. Ok, Eva, et à toi, Gary. Gary! Non, je suis là. Je... Vas-y, saute. Allez. Mais Gary, tu sais pas sauter ou quoi? T'es nul. Attends, grand frère, regarde, voilà. Ah, bah, c'est sûr que comme ça, c'est plus facile. Bon, maintenant, on est où, là? C'est quoi, tout ce labyrinthe en porte. Ouais, il y a l'air d'avoir un labyrinthe en porte. Du coup, je pense qu'il faudra trouver le moyen de sortir d'ici, d'accord? Labyrinthe. Est-ce qu'on se sépare? On se sépare, non, je pense qu'on va pas se séparer, on va rester ensemble, hein. D'accord. Du coup, venez avec moi, on va essayer de trouver l'endroit où il faut passer, les potes, c'est pas évident. Oh, mais c'est un labyrinthe de ouf. Mais c'est quoi, ce labyrinthe? C'est mélangeant. Ouais, ah ben, coucou Eva, coucou Gary. Ah, coucou, une porte. Oh oui, t'as trouvé Gary, bien joué. Super. C'est bon, les potes, on a trouvé la sortie. Ouais. Oh, une porte. Doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc horrible derrière la porte. Attends, regarde, personne. Oui, très horrible. Oh, ok. Ok, y a Billy. Y a Billy, les enfants. Y a Billy, ok. Du coup, attendez, restez ici, je vais les spionner, d'accord? D'accord. Oui. Ok. La potion d'invisibilité, grand frère. Non, c'est bon, pas besoin, t'inquiète, il me voit pas. Ok. Bon, mes associés, nous sommes dans une situation de crise. Si vous voulez que je vous tape pas avec un bâton, je vous taperai avec un os, ok? Il n'y a plus de sucettes dans le placard. Je veux qu'il y ait plus de sucettes. C'est bien compris. Jean-Marc, arrête de boire ta potion. What? Oui, c'est bien. What, les potes, mais il parle à qui? Il parle à ses joueurs ou quoi? Je sais qu'il est beau, mais quand même, ok? Faut pas le voir avec une loupe. D'accord. Bon, ok, les potes, vous savez quoi? Attendez, je vais fermer la porte. Les enfants, je pense que Billy a perdu la boule. Ah oui, je pense aussi. Il parle à des jouets. Mais si ça trouve, ils sont vivants. Comme dans Toy Story. Mais Gary, tu crois qu'on est dans Toy Story là? Oui, imaginons. Toy Story 5. Oh là là, mais en fait, je pense que vous êtes aussi débiles que lui, les enfants. Ah, c'est gentil, c'est un grand frère. C'est gentil, d'accord, ok. Bon, attendez, vous savez quoi, les enfants, restez ici, je vais aller le voir. Bah, attendez, au pire, venez avec moi. On va aller voir qu'est-ce qu'il fait. Bon, je vous ai donné un formulaire. Vous le remplissez et vous. Bonjour, Billy. Papa. Les amis. Oui? Moi aussi, je veux faire le formulaire. Allez, je prends sa place. What? Je m'assieds au bureau. Mais... Ok, du coup, nous sommes en période de crise. Si je ne vous vois pas, mon mur, il va vous voir. What? Okay. Mais attends. Si vous voulez pas Billy, calme-toi. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais là? Crise économique. Ah, c'est une crise économique. Mais comment ça? Il se passe quoi là? Pourquoi t'as ramené des jouets? Il y a plus de sucettes dans le placard. Ah, du coup, oui, t'as moi fait. Je veux des sucettes. Du coup, t'as fait une réunion avec tous tes employés, c'est ça? Oui, comme moi. Ok, d'accord. What, tes potes, regardez, il a mis des photos de lui un petit peu partout. D'accord, pourquoi pas. Et ok, d'accord. Et à part ça, tu fais quoi? Je suis le patron. Donc, si tu veux pas un coup de bâton, t'auras un coup d'os. Quoi? Ok, d'accord. Waouh. Calme-toi, Billy. Calme-toi, je veux pas de soucis. Nouveau moi, règlement. Tu sais. Nouveau règlement, d'accord les potes. Oh, c'est incroyable, hein. C'est incroyable ce qui se passe. Eh les potes, franchement, si vous voulez qu'on aille aussi découvrir la cachette secrète de ma fille et de mon petit frère sur Minecraft, comme on a fait avec mon fils aujourd'hui, je vous donne un objectif, écoutez-moi bien, de 20 000 pouces bleus à cette vidéo. Et on fera un épisode avec mon petit frère Gary et ma petite fille Eva. Du coup voilà, tout est en votre main les potes, et entre votre pouce les potes. Voilà, mettez tous un gros like, ça fait plaisir. Du coup, Gary, Billy, va falloir que tu te calmes là avec tout ça, hein. Je te le dis tout de suite, hein. D'accord. Mais papa, parce que y a plus de sucettes. Oui, mais y a plus de sucettes, Billy. Je suis venu dans ta. Regarde, Billy. Je vais t'expliquer. Je t'ai suivi dans ta cachette et il y a des hommes armés qui m'ont tiré dessus. Ah ben oui, c'était Jean-Marc et Jean-Pierre. C'est okay. Mes associés, papa.
Ok, d'accord, pourquoi pas. Ok les potes, bon, je tombe de haut, je ne savais pas que mon fils avait cette salle juste en dessous de ma maison. Enfin bref les potes, vous savez quoi, c'est déjà la fin de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le plus gros like de ta vie comme d'habitude poteau. Voilà, j'aimerais aussi remercier Alexandre, Anthem Rex et Stan Officiel comme d'habitude d'avoir participé à ma vidéo. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. C'était Souka. Ciao les potes.